Celui qui est le plus éloigné de la religion, tu verras que c'est celui qui est le plus éloigné de la mosquée. Et celui qui s'accroche le plus à sa religion, c'est celui qui s'accroche le plus aux mosquées. La première des règles de bienséance à tenir et à avoir quand on se rend à la mosquée, c'est de faire les ablutions à la maison. Tu sors de chez toi du pied gauche, tu dis Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Marche d'une façon convenable, normale. Est-ce que toi tu vas te rendre de n'importe quelle façon chez un patron? Abadan. Tu vas avoir une bonne odeur, tu vas être présentable. Que dire du patron des patrons, le roi des rois, subhanahu wa ta'ala? Ya bani Adam, khudu zinatakum 'inda kulli masjid. بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, mes chers frères et sœurs, comme vous le savez tous et toutes, la semaine dernière, on a parlé, on a rappelé les bienfaits des mosquées. Le bienfait de venir à la mosquée, le bienfait de remplir les mosquées, le bienfait de se rendre à la mosquée pour prier, ainsi que pour assister à des cercles d'évocation et d'invocation. Et pourquoi pas, alors que vous le savez tous et toutes, que les personnes les plus éloignées de la religion, de façon générale, et celui qui veut me contredire, qu'il me contredise, celui qui est le plus éloigné de la religion, en général, tu verras que c'est celui qui est le plus éloigné de la mosquée. Et celui qui s'accroche le plus à sa religion, celui qui s'accroche le plus à sa religion de façon générale, c'est celui qui s'accroche le plus aux mosquées. Et nous avons rappelé le bienfait des mosquées, et nous avons rappelé le hadith authentique du prophète alayhi salatu wassalam, où le prophète alayhi salatu wassalam lui-même nous rappelle que le jour de la résurrection, parmi les personnes qui seront ombragées de son ombre, il y aura celui dont son cœur était accroché. En lien permanent avec quoi? Avec les mosquées, avec les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuha al-akhyar. Et la deuxième partie, ayyuha al-ahbab, de ce sujet concerne les bienséances dans les mosquées. Les règles de politesse à respecter quand on sort de chez soi pour se rendre aux mosquées, quand on est à la mosquée et quand on sort de la mosquée. Parmi les règles de politesse à retenir par tous et toutes, et ceci avec un résumé ici, ou plutôt ceci en résumé, parce qu'il nous faudrait plus d'un sermon, certes, pour pouvoir traiter ce sujet-là dans les détails, mais j'ai pris les principaux points, ayyuha al-akhyar, et les points dont tout le monde est concerné, que ce soit les hommes ou les femmes, que ce soit les hommes ou les femmes de façon générale. Écoutez bien, la première des règles de bienséance à tenir et à avoir quand on se rend à la mosquée, c'est de faire les ablutions à la maison. Comme on avait cité les hadiths la semaine dernière, concernant le mérite de se rendre aux mosquées, il y avait la condition de faire les ablutions à la maison. Donc ça, c'est une règle de bienséance, de politesse, mais ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Donc tu fais tes ablutions de la meilleure des façons. Pas n'importe comment, de la meilleure des façons chez toi. Encore faut-il apprendre à faire ses ablutions dans les détails comme il se doit. Ala kulli hal, ayyuha al-akhyar, tu fais tes ablutions, tu sors du pied droit ou du pied gauche. Tu sors du pied gauche et on rentre chez soi du pied droit. D'accord? Donc tu sors de chez toi du pied gauche. Tu dis quoi? Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Les invocations, ayyuha al-akhyar, je vous renvoie au livre très connu Hisnul Muslim, la citadelle du musulman. La citadelle du musulman. Donc ici je vais les dire de façon assez rapide. Donc quand tu sors de chez toi, il y a une invocation, cherche cette invocation et apprends-la. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, tu fais l'invocation qui est rapportée dans le hadith de Bukhari rahimahullah ta'ala, où le prophète alayhi salatu wassalam a recommandé à sa communauté de dire, quand ils sortent de chez eux pour se rendre aux mosquées, l'invocation que j'ai citée tout à l'heure en arabe, Allahumma ij'al fi qalbi noura wa fi basari noura wa fi sam'i noura wa an yamini noura wa an yasari noura wa tahti noura wa fawqi noura wa amami noura wa khalfi noura, Allahumma azzim li noura. Oh Allah, met de la lumière dans mon cœur, dans ma vue, dans mon ouïe, à ma droite, à ma gauche, en dessous de moi, en dessus de moi, devant moi, derrière moi, et intensifie-moi ou intensifie pour moi cette lumière. C'est comme si tu demandais, comme on dit al-ulama rahimahumullah tabaraka wa ta'ala, c'est comme si tu demandais à Allah azza wa jal, à travers cette invocation, Allah, donne-moi de la lumière. Allah azza wa jal, met de la lumière dans mon cœur, dans ma vue, dans mon ouïe, etc. C'est comme si tu disais, ya Allah, remplis mon cœur de bien. Ya Allah, fais-moi voir que le bien. Ya Allah, fais-moi qu'entendre le bien. Ya Allah, fais que je sois entouré, couvert de haut en bas par le bien. Tu invoques ton Seigneur tabaraka wa ta'ala de te couvrir de sa clémence et de bien. Parmi les règles de bienséance aussi, tu as fait ton invocation, tu es sorti de chez toi, alhamdulillah. Comment tu sors? En courant ou alors au ralenti? Deux excès. Premier excès chez les jeunes qu'on voit.
le frère il sort de chez lui, il prend le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il l'interprète comme il veut et il dit, le prophète alayhi salatu wassalam, soit c'est un hadith authentique, il dit le prophète a dit quand vous sortez de chez vous, ça ne sert à rien de courir, il nous a recommandé de ne pas courir et de marcher. Pourquoi? Car on est en prière. Quand tu as les ablutions, tu sors de chez toi, tu es considéré en prière même si ils ont déjà commencé à faire la prière, donc tu ne dois pas courir. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il marche au ralenti et tu le vois, il mange tranquillement pendant la route et il marche vraiment, mais vraiment au ralenti, on dirait une tortue. Excusez-moi du terme, c'est une réalité. On dirait une tortue. Il marche très, très doucement. Ça, c'est un excès. Ça, c'est interdit, ayyuhal akhyar. Et ça, c'est un manque de politesse, ayyuhal ahbab. Ça, c'est un manque de politesse. Si tu te rends à la mosquée, marche d'une façon convenable, normale. D'accord? C'est pas parce que tu te rends à la mosquée que tu dois ralentir. D'où ça sort, ça? Il n'y a ni preuve, ni du Coran, ni de la sunna sur ça. Donc, ayyuhal ahbab, tu marches normalement, sans accélérer le pas ou sans courir, et sans marcher au ralenti. Tu marches normalement, tout simplement. Et le deuxième excès, c'est ceux qui, quoi? Qui courent. Alors on entendrait ou on croirait que c'est un éboulement qui a eu lieu à la mosquée pendant que tu es en train de prier. Tu entends un jeune qui vient, qui claque la porte et qu'il court pour entrer dans la prière. Ça c'est contraire à la sunna. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a interdit dans un hadith authentique, dans plus d'un hadith authentique, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit quand vous sortez de chez vous, quand vous vous rendez aux mosquées, la tas'au, ne vous précipitez pas, ne courez pas, mais marchez. Mais marchez, wa alaykum as-sakinah. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous a recommandé de marcher avec sérénité. On n'a pas le droit de courir, on n'a pas le droit de se précipiter, que tu sois à pied ou en voiture. Certains jeunes, qu'est-ce qu'on voit? Avec le plus grand des regrets, il se rend à la mosquée. Il ne sait pas qu'il représente les musulmans et musulmanes, et il prend sa voiture et il crame les feux rouges, et il monte sur les trottoirs, et il double tout le monde, il se gare, les gens, les non-musulmans le voient, il va où? À la mosquée. Masha'Allah, la quwata illa billah. C'est quoi ce comportement, subhanallah? Tu vas à la mosquée, la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu es un invité. Est-ce que toi tu vas te rendre de n'importe quelle façon, de n'importe quelle manière ou avec n'importe quelle tenue si tu es invité chez un roi ou chez un président ou ne serait-ce que chez un patron? Abadan, tu vas te poser bien, tu vas aller doucement, tu vas aller même en avance. Tu vas avoir une bonne odeur bien sûr, tu vas être présentable, que dire du quoi? Du patron des patrons, le roi des rois, subhanahu wa ta'ala. Donc ici il y a des règles à respecter, ayyuhal ahbab, et cette religion n'est pas un jeu. Et on ne pratique pas cette religion comme on veut ou comme bon nous semble. Mais il y a des textes tirés du Coran et de la Sunna, bifahmi salaf al-umma, avec la compréhension des ancêtres pieux. Donc on n'a pas droit de courir et on n'a pas droit de marcher au ralenti aussi. Ce qui fait partie des règles de bienséance, c'est de marcher normalement. Et si tu arrives en retard, prends ton qamis si tu n'as pas de qamis, prends ton temps, mets ton qamis et rentre tranquillement dans la prière. Car ce qu'il nous importe, c'est de prier avec quoi? Qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Certes, sont bien heureux ou ont réussi les croyants qui sont humbles dans leur prière. Al-khushu', l'humilité, la crainte d'Allah Azza wa Jal dans la prière. Comment tu veux avoir l'humilité alors que tu rentres et t'es essoufflé et tu respires fort? Tu ne peux pas. Donc il n'y a pas de secret. Écoute ce que le prophète alayhi salatu wassalam t'a dit. Parmi les règles de bienséance aussi, porter des beaux habits. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran al-Karim, Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Avec une traduction approximative, ô enfant d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parure. Portez votre parure. Et certains exégèses, comme Ibn Abbas radiallahu anhu an Abi, ont expliqué ce verset coranique. Parmi les explications qu'ils ont apportées, ils ont dit que celui qui se rend à la mosquée doit porter ses meilleurs habits. Ses meilleurs habits, ayyuhal akhyar. Et pourquoi pas, alors que toi, tu vas te tenir debout en face de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Bien plus que cela, tu te rends chez ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est une maison qui fait partie des maisons d'Allah Azza wa Jal. À toi de te rendre de la meilleure façon avec même, ayyuhal akhyar, les meilleurs de tes habits, et particulièrement yawmul jumu'ah, le jour du vendredi, comme le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enjoint, même pour les enfants, aux parents de recommander à leurs enfants et d'habituer leurs enfants à porter les meilleurs des habits le jour du vendredi. Car le prophète alayhi salatu wassalam, et là je prends une petite autoroute rapidement ici, ou alors une bifurcation si vous voulez, le prophète il a dit que le croyant a quoi? Dans un hadith 2 fêtes, et dans un autre hadith 3 fêtes. On n'en a pas 4, on n'en a pas 10, on n'en a pas 13, on n'en a pas 100. On a 2 fêtes dans un hadith. Et dans ce hadith, le prophète il parle de Eid al-Adha ou Eid al-Fitr. Et dans un autre hadith, le prophète a dit 3 en parlant du Yawm al-Jumu'ah. 3, pas 4. Ici, on ne manque pas de respect envers les non-musulmans qui fêtent Noël ou qui fêtent le jour de l'an. Ça, c'est leur religion. Ça, c'est leur principe. On respecte. Comme nous, on n'impose pas aux non-musulmans de faire Eid al-Adha. Et s'ils ne font pas Eid al-Adha, ou s'ils ne fêtent pas le grand laïd et le petit laïd, on va pas leur faire de reproches. Donc eux aussi, ils ne font pas de reproches. Donc il n'y a pas de mal de citer et de rappeler à notre communauté que nous, la fête de Noël et le jour de l'an ne sont pas nos fêtes, avec tout respect.
avec le plus grand des respects envers eux. Ça, ce n'est pas nos fêtes. Et ça, la fête, ayou al-ahbab, al-eid, c'est un sujet qui rentre dans al-shar', dans la législation islamique. Car c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, ici qui a légiféré, ayou al-akhyar, les fêtes islamiques. Eidain, Eid al-Adha wa Eid al-Fitr. Et dans une version, le troisième, bien sûr, c'est Yawm al-Jumu'ah. Donc celui qui apporte une nouvelle fête, il a... من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Celui qui apporte une chose nouvelle dans notre religion est rejeté. Donc ça, c'est une chose religieuse. On n'a pas le droit de fêter leurs fêtes. Comme eux, sûrement, parmi les juifs et les chrétiens, ils n'ont pas droit et ils ne fêtent pas nos fêtes. Il n'y a pas de mal. On les respecte et ils nous respectent. Ça, c'est une petite bifurcation. À la kulli hal, le jour du vendredi, ayou al-akhyar. Le jour du vendredi, c'est un jour de fête pour les musulmans. Donc on doit se paraître, ou plutôt mettre nos plus beaux habits, ayou al-ahbab, et particulièrement quand on prie. Ne faites pas comme certains jeunes. Ils rentrent dans la mosquée avec un pantalon serré, surtout les jeunes. Ils se prosternent, a'azzakumullah. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit toutes ces formes de derrière, malheureusement, avec le plus grand des regrets. Et ça, c'est un manque de politesse. Envers Allah et envers celui qui est derrière toi, Yahil Habib. Envers les gens, envers les musulmans, envers les croyants et croyantes. C'est un manque de pudeur. Au moins, mets un kamis ou bien des vêtements larges. Il n'y a pas de mal si t'as pas de kamis. Mets des vêtements larges pour qu'on ne voit pas tes formes. Et ça, c'est particulièrement un message pour les jeunes. Et parmi les règles de bienséance, c'est d'avoir une bonne odeur qui sort de ta bouche. Awalan, qui sort de ta bouche. Et une bonne odeur qui se dégage de toi, de tes habits, de ton corps, etc. Car le musulman, il est propre. Le musulman est beau. Wa kama qala alayhi salatu wassalam, inna Allah jamil yuhibbul jamal, fi sahih Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que quoi? Allah est beau et il aime tout ce qui est beau. Et toutes les bonnes odeurs sont aimées par les anges. Et pourquoi pas? Alors que le prophète alayhi salatu wassalam dans sahih Muslim, il dit celui qui a mangé de l'ail, les anges, ou celui qui a mangé de l'ail, qui n'approche pas, il y a plusieurs versions authentiques, qui n'approche pas nos mosquées. Et ici, les savants disent toute chose qui apporte une mauvaise odeur, toute personne qui mange une chose qui apporte une mauvaise odeur ou qui consomme une chose qui apporte une mauvaise odeur à la bouche est concernée par ce hadith. Il n'approche pas à nos mosquées. Inna al-mala'ika tata'adha mimma yata'adha minhu banu Adam kama qala alayhi salatu wassalam fi sahih Muslim wa ghayruh. Car le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que quoi? Ce dont tu éprouves, ou plutôt tout ce que tu éprouves, ou banu Adam, le fils d'Adam, éprouve comme répugnance envers les choses, les anges, c'est la même chose. Quand toi tu trouves une mauvaise odeur, ou tu trouves une chose qui a une mauvaise odeur, et tu as de la répugnance pour cette chose, eh ben sache que pour les anges c'est la même chose. Donc quand toi tu aimes une odeur, sache que les anges aiment cette odeur. Quand toi tu détestes une odeur, les anges détestent cette odeur. Et c'est pour ça nous disons, ceux qui fument la cigarette ou qui mangent des choses qui apportent une odeur forte à leur bouche, ici à vous de vous laver bien la bouche, que ça soit avec un dentifrice, siwak, ce que tu veux, mais faire partir cette odeur avant de te rendre à la mosquée, sinon tu vas porter atteinte à qui? Al-Mala'ika, aux anges. Tu vas porter atteinte aux gens qui prient avec toi, et toi tu es venu à la mosquée pour te rapprocher d'Allah, et la conclusion, le résultat plutôt, c'est que tu portes atteinte à tes frères, tes sœurs peut-être, et bien plus que cela, Al-Mala'ika, aux anges. Parmi les règles de bienséance, c'est quand tu rentres à la mosquée, tu rentres avec ton pied droit, et tu dis Bismillah, والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك. D'accord, tu rentres, tu dis bismillah avec ton pied droit, tu prononces ici cette invocation et tu dis والصلاه والسلام على رسول الله, tu invoques ton Seigneur تبارك وتعالى pour qu'il prie et qu'il réponde le salut sur le messager d'Allah عليه الصلاه والسلام. Et la salat, quand on parle de prière d'Allah عز وجل, c'est l'éloge qu'Allah سبحانه وتعالى fait في الملأ الأعلى, auprès des anges, sur cette personne, et ici bien sûr sur le prophète alayhi salatu wassalam. Ensuite, qu'est-ce que tu fais? Rak'atayn, tu pries deux rak'at. Tu ne t'assois pas avant d'avoir fait deux rak'at. Ça, c'est des règles de politesse et de bienséance importants à savoir. C'est quoi? Tu rentres et tu fais deux rak'at, rapporté par Al-Bukhari wa Muslim. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Si quelqu'un